Salut à tous, bienvenue sur Enfront, donc dans la 7ème ville, au début de la 7ème ville. On avance, hein? Donc le petit récap d'avant, bah c'est parti en cacahuète, hein. Donc on a perdu, Clofford nous a roulé. Donc si vous avez déjà vu les autres vidéos, vous comprendrez qui c'est Clofford. On va dire c'est bien parti en cacahuète, mais vraiment bien. Et là le but c'est de nous refaire une équipe, je crois. Bah, on va voir ce qu'on va faire, là on va recapturer du monde. Bah recapturer du monde, c'est pas capturer du monde, mais on s'est compris. Bon, nouvelle ville, 7ème ville je crois, c'est ça. Si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, on va compter quand même celle-là. 5, 6, 7. Ça c'est pas une ville, c'est juste un endroit ça. Ok, donc 7ème ville et des nouveaux endroits. Donc on a ça, on va prendre ça parce que celui-là donne les objets dans la ville. Ok. Putain, c'est vraiment un con, Clofort. Je suis dégoûté en fait sur ça. En plus, il l'a bien joué parce que. Il nous met le côté de dire. Tiens, je joue. Waouh, qui. Tiens, moi aussi, je sais tirer au snipe, mec. Hein. Je te dis d'avance, hein. Ah bon, je fais un bon début. Avec moi, toi. Elle est où la radio? Mon copain? Elle est là. J'aimerais prendre un instant pour évoquer le docteur Première radio. Oh, ils m'ont fait peur, eux. Allez, go. Bah non, faut que j'aille là-bas, je suis con, moi. J'aime bien la musique là. Brady, cet immeuble abrite l'émetteur de l'APC de la vieille ville. Si vous parvenez pour ça, à pirater le système, on pourra surveiller toujours prendre cela en premier. L'APC dans toute la zone. Ça c'est un petit conseil que je peux donner ça. Toujours prendre ça en premier. J'aime bien, on prend un livre, ça nous sort dans notre téléphone. On en parle quand même. Le livre il est dans le téléphone. Ouais, toujours prendre ça parce qu'en fait ça dévoile plein de choses sur la ville. Brady, vous approchez des ruines de la clinique J. Oui, on a compris, on a compris, je suis pas débile. Essayez juste de laisse-moi comprendre comment y aller. Comme ça. Super, hop, tu. Bah bravo. Je change pas une équipe qui gagne. Mais c'est qui me voit là? Vas-y, tends-lui. Oh. Comme ça il me fout la paix lui. Le prix et. Eh, je suis si nul que ça? J'y arrive pas. Pourquoi il y a une zone rouge là-bas? Ah, ça doit être sûrement une deuxième zone à prendre. On va essayer un coup. Ah bah autrement attends. Bah non, je peux pas. Je viens de tomber comme un con. Mais là, on recommence. J'y arrivais tout à l'heure, pourquoi j'y arrive pas là? Il veut pas, hein. Donc faut que je passe par le toit alors. Donc faut que je trouve une solution pour passer sous le toit, ok. Oh putain, mais. Il me fait chier là. Comment on peut passer sous le toit? Ok, là. Wow, je l'avais pas vu là. Voilà, piquet de cœur. Au revoir. Au revoir. Pique, hein.
Et eh ben ça y va les soins. Hein. Ah il est mort le mec qui était avec moi. Oh putain j'avais pas vu. Mais non je l'avais pas vu. Je l'ai vu aux dernières secondes. Oh toi t'arrives à ton pompe et tu m'encules comme ça. C'est pas gentil ça. On a pas vu les cochons ensemble. Et j'y arrive pas des fois. Et des fois il veut pas. Oh. Oh. Calmer les snipes moi. Je le dis d'avance. Bon, on était où dans cette histoire là? Je comprends pas trop là. Ouh. On vise là non? Ou c'est moi qui hallucine? La tour est où? On m'a visé là. Et je vois pas. Pas compris. Celui-là ou c'est celui-là? Non, c'est ça. On va voir. L'autre après. Ah, c'est ça. Je crois pas vu ça. La première fois je tue autant de... Je vous dis autant de trucs là, de soins. Hop, une voiture en moins. Toi. Oh, des fois la mitraillette, je te jure, des fois elle est pas... Des fois elle est casse-couille, hein. Et où? Il y a des mecs, je les vois même pas. On est où? Bonsoir. Toi. En plus tu me donnes un kit, c'est super. Toi. Hop. Oh. On est où? Écoute, bordel.
Mec, je vais péter un câble. Je te promets, non mais à un moment ou à l'autre, allez stop, je veux pas les attaquer. C'est pas que je veux pas, mais à un moment ou à l'autre, si je fais que ça, j'avancerai jamais. Bah je crois que j'ai pas trop le choix en fait, encore une fois. Voilà, c'est déjà mieux. Oh. Non, mais non. Sors d'où toi? Tu sors d'où toi? Oh putain, encore ça! Mec, je m'en sortirai jamais. En fait, il y a tout le temps des mecs. Vraiment. En fait, je savent quoi? Ouais, ça respawn. Dès que je m'écarte un tout petit peu, ça respawn. C'est fou que je peux pas aller. Sous ma gueule là, ouais, c'est ce que j'allais dire à un moment ou l'autre. L'accès à cette zone est interdit. Le personnel non autorisé sera considéré comme immédiatement à la. Allez, premier truc à moi. Voilà, comme ça tu vois toutes les zones. C'est pour ça que c'est très important cela. C'est les plus importants. Sifari, on vient de nous signaler une situation préoccupante. Une planque se fait attaquer. Si quelqu'un est dans le coin, faut aller aider. Ah bon, parce qu'on a une planque de piquant ici. Bizarre ça. Moi je l'ai jamais vu cette planque. Buddy, ramenez votre cul par ici, il faut défendre la planque. Oh oui, allez, non mais quand tu vois qu'on va tirer sur le mec et ça fait rien, à un moment ou l'autre. Ouais, je prends cher là. Oh, qu'est-ce qui me fait mal comme ça? Qu'est-ce qui me fait mal comme ça? Dirigeable en route, vous feriez bien de vous éclipser. Ouais, comme ça, ouais. J'ai plus ce problème là. On va attendre qu'il se barre lui. Oh bébé. C'est fou. Il faut que bouger. Là je le croyais mort. Ouais. Je sais pas c'est qui me tire dessus encore une fois, mais il m'a fait encore super mal. Voilà. Prenez ce que vous pouvez dans la planque et foutez le camp. Il faut que je bouge.
Faut monter. C'est parti. On fait peur quoi. Attention, grenade. Quelle grenade? J'avance, couvrez-moi. Eh bah fais ta vie, arrête de me hurler dans les oreilles toi. Non, là, non, pas de bien ça. Pas droit. Alors, vous envolez ? Pétez un plomb là, meuf, toi. J'ai pété un câble. Pense pas pour plus que la vie. Putain, barrez-vous, joue-tu ? Putain, je déteste qu'on me bloque. Une combattante arpente les toits de notre ville. Et l'autre, faut monter. C'est une légende au sein de son groupe. Un symbole de force et de détermination. Les Norcos ne connaissent pas son nom. Mais Dieu sait qu'ils connaissent son travail. Elle a abattu plus de patrouilles qu'on ne peut en compter. C'est un pur produit de cette période sombre. Et à l'image d'un super-héros, elle a atteint le statut d'icône. Ça, j'ai commis des endroits avec beaucoup plus de soins. Hein. Elle leur réglera leur compte. Là, un soin quoi. Toutes les saloperies sont strictement réglementées. Même avant que le monde parte en vrille, je commençais déjà à les dépenser. Téléphone à peine. Lunettes R1 à peine. Bracelet magnifique à pec. Voilà. Ce qu'on voyait et entendait était filtré par... Voilà. Je suis où là? Je suis là. Vers lui, hein. Technologie est pillée à pec. Et il savait sur nous grâce aux informations. C'est bien. Ethan, la résistance a une équipe de reconnaissance en mission près de ta position. On n'a pas eu de nouvelles depuis un moment. Essaie de découvrir quelle est la situation. Ça sent la moto, encore une fois. Une des nombreuses choses qui me font détester les Norcois, point, c'est leur attitude envers nos malades et nos blessés. Mais quoi? Il y a des motos, faites bien. Y'a une moto, c'est pas pour rien, c'est très rare qu'il y ait des motos pour rien. Voilà, je me trompe vraiment, mais autrement, la moto, je suis sûr j'en aurais. Je suis sûr j'en aurais besoin. Mais je la garde, j'en ai besoin pour monter là, déjà. Déjà moto en moto là, c'est déjà bien. On la prend. C'est bien. Ah, je commence à connaître le jeu, hein, c'est ça. Ils mettent des motos, t'as des trucs à monter, c'est bizarre. On va se cacher. Pas gentil toi. Pas gentil toi. Pas gentil du tout toi. De me mettre des coups comme ça dans le dos. Vraiment pas. Hein. On va laisser la moto là 2 secondes. Quoi, j'ai des mecs qui me visent. J'ai loupé. On me vise ailleurs aussi. Ok, là aussi. Et toi, tu es où? Tu es là.
voir. Puis on tire encore dessus. Là. Okay. Ah là. Donc là c'est bon. Ah ok, bon, faut juste prendre. Ok. C'est bien celui-là. Nos hommes semblent avoir été abattus par des snipers de l'APC. C'est toujours triste de perdre des proches, mais on arrive à un point où on s'y habitue. Au moins la zone est sécurisée grâce à toi, Ethan. Eh bah franchement je pensais qu'il fallait monter avec une moto. Bah il fallait monter avec une moto. Je pouvais peut-être sûrement pas monter à pied. Mais je sais pas si je peux les péter Pas du tout. La seule couche, je sais pas du tout. Toi, tu vas mourir. Hein. Attends. Les orcos s'intéressent de très près à l'usine de traitement des eaux de la Grépine. Ce doit être une façon de l'opération de gazage. Prenez le bastion qu'ils y ont installé. Quoi? Ah bah, vraiment l'autre, les gars. Tu m'expliques comment j'ai pu tirer en changeant d'arme? Putain, je l'ai vu, mais trop tard. Je l'ai vu trop tard. Et qu'est-ce que j'ai pris une grenade dans les mains à place de tirer sur le gars. Ça, il faudra m'expliquer, mais bref. Voilà. Normalement, je suis à côté. J'ai une radio ici. Je suis où, là? Hein? La situation est tellement nerveuse. Les membres de l'APC ne sont que des artistes dépouillant notre pays. Ils prennent toutes les marchandises possibles pour... Je bouge pas parce qu'il y a l'autre au-dessus. Autant qu'on déteste les voir sucer notre pays jusqu'à la moelle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui arrivera quand il ne restera plus rien. Un processeur et le PC restent allumés. Quoi?
Fortuna. Et des fois ça veut pas, hein. Vraiment. Repli, repli. Oh là, je me suis replié là. Très mal. Les Norcos sont sournois et le bourdonnement de leur bombardeur est invasif. Tant de propagande, ils sont corrompus. Il est où? Je désespère de voir notre frère. Toujours au dessus ou pas? Ils vont s'en servir pour gazer les autres zones rouges. Tu dois la détruire avant le lancement de ces foutus dusters. Bah ouais, mais les mecs, moi je veux prendre une base, après je peux pas, parce qu'il y a lui qui fait ci, il y a lui qui fait ça. Ouais, à un moment ou l'autre, s'il te plaît quoi. S'il te plaît. Attendez que je suis en train de kidnapper, je sais pas. Et arrête de courir toi, viens. Là, ils viennent de gazer. Ok. Donc j'ai fait ça pour rien. J'arrivais, hein, mais... Pas ma faute qu'il y ait des ennemis sur les chemins, quoi. J'ai pas leur dire non, non, stop, stop. J'ai un truc à faire. Bon, il s'est barré avec son dirigeable de merde, lui. Je fais les couilles, ce dirigeable. Non mais les gars, il était pas là il y a 2 minutes, il est en train de partir, tu vas me dire qu'il a fait un demi-tour pour revenir sur moi. Non mais c'est une blague, franchement faut le dire, c'est une blague. Il a fait un demi-tour pour revenir sur moi. Il n'y avait aucune trace que j'étais là. Personne n'a su que j'étais là. Donc c'est ça qui me fait rire en fait. Le dirigeable c'est vraiment trop abusé.
Il est où lui? Il est où? Ah ouais, t'inquiète toi, bon, je t'ai vu. Voilà, sors un petit peu, ça va te faire du bien. Je t'en demanderai pas plus. Il est où? Où le roule quoi? En haut? Bon, il est là. Ah, j'ai rattrapé mon problème. Vite, vite. Cette usine de traitement des eaux est maintenant contrôlée par la résistance. Ça devrait ralentir les opérations d'extraction de ressources de l'APC dans la zone. Bon boulot. Oh, c'est cool. On le fait en dernier. Ouais. En deux, ouais. Les gens nous prennent pour des terroristes. Ah, je les ai perdus! Très mal. Énormément son sournois et le fou de monde. Tu fais l'esprit des gens, d'ancrer au plus profond de moi. Je désespère de voir le peuple. Ethan, t'es près d'un ancien avant-poste de la résistance. Quand l'APC l'a découvert, ils ont lancé l'assaut et tué tout le monde à l'intérieur. Si tu parviens à le récupérer, il pourrait nous être très utile. Hop. Voilà, regarde, un truc le plus con à prendre. Vraiment pas dur celui-là. Sans déclencher un ennemi, sans rien. Et c'est à moi. Zone sécurisée. Bon boulot, Ethan. Je vais envoyer une équipe occuper le bâtiment et commencer à lancer des attaques contre des cibles connues de l'APC. Quand j'ai des grenades dans les mains, je sais pas. Là j'ai récupéré celui-là qui était facile. On peut aller récupérer ça.
Ouais, le dirigeable il arrive. J'ai obligé de me cacher, mec. C'est même sûr. Tout ça parce que l'autre il arrive. Brady, cet immeuble surplombe l'entrée de la zone interdite. Si on parvient à y installer un poste d'observation, on pourra surveiller les allées et venues des Norcos dans la zone. Des fois c'est bien d'arrêter de tirer, tu vois, et de te barrer. Et là ça va moins exciter l'autre. Attends, est-ce que je peux me mettre en hauteur pour tuer les snipes déjà? Tu vois? Tu vois? Donc vraiment un silencieux sur ce snipe. Les mecs, elle bouge trop l'arme là, il y arrive quoi? Putain, c'est plus du recul qu'à dessus quoi. Parce qu'elle a, elle est en niveau 3 hein. Elle devrait en avoir beaucoup moins. Jamais prendre le dernier. Il m'a tué. J'ai pas vu que c'était un putain de mastodon. Ah, ça me fait chier. Mais là, c'est moi qui a fait le con. Hein. J'ai jamais vu que c'était un mastodon. Hein. J'ai voulu lui sauter dessus et. Pas un mastodon. Bah oui, tiens, il casse ton jambe, débile. Ah non, mais ça me gonfle aussi de faire des conneries comme ça. Oula, j'avais pas vu ça. Oula. Alors, au moins, tout est nettoyé. Et en deux gars. Tac. J'ai tout niqué là. Là j'ai géré. Là, il y a le copain qui arrive là. On saute juste là. Faut pas qu'être toi, hop, bah faut pas qu'être. Et attendant, bah tu vois, je vais préparer de ça. J'ai pas compris là. De scan là. Dirigeable en approche, allez-vous-en. Mais mec, je suis à l'abri. Même s'il voudrait, il me scannerait rien du tout. La présence de civils est
Orcons ont découvert une planque et une cellule est piégée à l'intérieur. Vous êtes lourd là. Le gars est à proximité, ils ont besoin d'aide. Et vite. Utiliser, j'ai pas compris. Putain, mais c'est juste là, mec. Bravi, les Orcons ont trouvé notre planque. On tiendra pas longtemps, allez. Va se lever un jour. Bon boulot, Brady. Prenez ce que vous pouvez dans la planque et foutez le camp. Je sais pas combien il en faut. J'ai aucun truc qui est marqué sur ça. Non mais normalement c'est bon, non? Je dis bien normalement. Jamais, mais on fera le tour correctement. Hein? Mais je comprends pas. Attends, enlève-toi. Viens, 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 recule, recule, recule. Mais recule, putain de taras. Je comprends pas. Ah, ok, putain, je suis trop con. On en a fait un chacun, mec, là. Il est où? Ouais, il est parti là-bas, c'est bon, on voit les couilles. J'allais t'éclater toi, hein. Je te dis la vérité. Hein. Ah, là, je l'ai pas vu. Ah. Il doit m'en manquer un. Hein. Pourquoi il me l'aurait dit? Il m'aurait dit vous avez la totale, je sais pas quoi. Putain, vous allez arriver à le tuer ou vous voulez de l'aide? «
Non, ils ont pas trop l'air d'arriver en fait. Voilà, je peux plus tirer parce que j'ai les gars devant moi. C'est fou hein. Mais vous arrivez vraiment pas le tuer. Putain sur le coup là je suis. Ouah, wow, faut pas s'énerver avec eux. Putain mais je te jure que je te bute. Casse-toi de là. Oh, ils sont casse-couilles. À tout le temps être dans les pattes, putain. Encore. Mec, j'ai tout fait. Combien? Ouais, je te jure, casse-toi. Les gens nous prennent pour les terroristes. Et ça fait mal. Très mal. Les Norgos sont sournois et le bourdonnement de leur haut-parleur est invasif et insistant. C'est quoi mon ami? Viens là, viens là. Casse-toi. C'est bon. Un truc qui me casse les pattes là, c'est bon. Ça me fatigue. Selon les témoins, il s'est parti avec dignité, hein, la tête de rose. De nombreux ont été mortifiés. La puissance de l'humanité avait réveillé la foi. Où que tu sois, mon frère. Lui, je l'ai fait. Et là, c'est le coup, les gars. Faire un effort, mais quand même. Oh, excuse-moi. Excuse-moi vraiment. Ah, mais c'est bon. Ben, je crois. Je sais pas, il a pas l'air de me dire. Il me dit plus en haut machin. Bah non, il me dit encore un putain nique ta race, ça m'en le jeu quoi. Ah non, je déteste que tu me joues Hein. Quoi qui me prend mon. Vas-y, il est chiant. Super, je vois rien. Bordel, un dirigeable arrive. Repli, repli. Et repli quoi? Repli, putain. Vous êtes une équipe qui sert à rien, les mecs, vraiment. Pour moi, vous sert à rien. Tout le coup là, j'arrive vraiment pas à savoir. Là, le dernier, je sais pas où il est. Hein. Vraiment, vraiment. Ah bah j'ai pas été là. Non, mais il est pas là. Ok, j'y ai été ou pas été, ça revient au même quoi. Là, ça fait au plafond. Non. Le dernier, je vois pas où il est. Hein.
juste m'a tiré tout seul, c'est. C'est rigolo qu'il doit y pouter. Mais mec là je sais pas quoi faire, vraiment. Pas. On en parle. Les gars ici de Paris, on a un gros problème. Les Norcos ont découvert une planque, une cellule est piégée à l'intérieur. Si quelqu'un est à proximité, ils ont besoin d'aide. Je m'en bats les couilles. Meurs! Mais putain de drone de merde! Mais ah, il casse les couilles ce drone! Merde! Un dirigeable approche! Il faut vous barrer! Ouais, mais il y a toujours quelque chose, c'est bon! Quoi? Où? Où, sniper? Voilà. Dors. Plus de balles dans rien, mec, c'est cool hein. Les
Mais là, putain, je sais pas du tout, je sais pas quoi faire là. Mec, je trouve pas le dernier. Je sais pas. Je sais pas où je dois chercher, mais je le trouve pas là. La clé de ces messages, c'est pas la qualité, la quantité. Mais vraiment quoi, je sais pas du tout où il est ce con. Dirigeable, on fait rire quoi. Là sur le coup je sais pas, je sais pas. Là je... J'arrive vraiment pas à voir où il peut être. Et j'ai un peu pas vraiment fait partout là. C'est chiant parce que je sais pas et ça me perturbe là. Ah, de pas savoir, c'est long. Un truc que tu devrais faire en 2 minutes là, putain, je déteste ça. Et je vois pas, hein. J'arrive vraiment pas à voir où c'est. Oh, qui me voit oh. Et là, sur le coup... Non, mais quand tu veux, hein. Vous me tirez à juger des fois. Hein. Ah ouais. Putain, je viens de le trouver, putain de sa race. Toujours pas ? Non. Oh putain, je l'ai pas vu.
Allez, c'est bon, ça m'a gavé. Non, mais en fait, tu peux jamais t'en sortir. C'est. T'as des mecs, en fait, à longueur de journée. C'est... Ça s'arrête jamais. Après, bah, pour que j'ai plus de balles, c'est que c'est que ça emmène. Hein. C'est normalement, j'ai des balles tout le temps. Et là, j'ai toujours pas où faut aller. Hein. C'était quoi, c'était celui-là? Je sais même plus ce que j'étais en train de faire, moi. Non, celui-là. Quand vous croisez un soldat, non. Non mais il est déjà tombé là. Ah oui. C'est du foutage de gueule. Là je peux pas plus hein. J'ai fait tous les bords. Hein. Donc le prochain il est je sais pas où. Hein. Lui m'a déjà pris un bout de temps. Non laisse tomber. Mec je peux pas savoir. Je le vois pas. Ah attends. Eh, je suis vraiment con là sur le coup. Vraiment. Je suis passé 15 fois, hein. J'ai regardé 15 fois les plafonds. Hein. Voilà, et eh ben je suis content d'avoir fait. Il a été long celui-là. Au moins, vous pouvez voir où ils sont les trucs. C'est terrible ce qui est arrivé ici par le passé. Maintenant qu'on a repris le contrôle, on va pouvoir l'utiliser pour aider. Allez, je fais celui-là et après je fais une pause. Regarde-le. Je savais qu'il allait arriver. Putain j'ai pas eu. J'ai toujours pas de mieux. On en parle. J'ai pas bougé de là. Paris, on vient de nous signaler une situation préoccupante. Une planque se fait attaquer. Si quelqu'un est dans le coin, faut aller aider. Juste en dessous de l'autoroute détruite de la route 30. C'est l'un des axes principaux menant à la zone rouge, Brady. Il pourrait être très utile à la résistance.
Vas-y, je suis mort de quoi là? Je suis mort de quoi là? Oh, si ça gonfle ça aussi, la nourrir inutilement pour rien des fois, putain. Des fois je veux bien comprendre, mais là, faut m'expliquer d'où ils sont arrivés quoi. Les mecs qui sont devant moi, ils étaient où l'autre qui m'a tué derrière? Ils ont mis le point. Non mais à un moment ou l'autre, ça devient chiant quand tu meurs des conneries comme ça. Ouais. Parce que la fin du compte, tout ce que tu viens de tuer, faut recommencer. Lui je l'avais jamais vu. Bon je l'ai jamais vu mais il a fini dedans, au bout de ma clé. Ma clé j'allais dire. Au bout de ma mon couteau quoi. Voilà. Ah mais voilà. Je comprends mieux pourquoi. Pourquoi ça pue. Attendez parce que là j'ai chaud en même temps. Hop. Je vais mourir. Waouh. Bah oui, non mais le mec, à un moment loot, il en avait un peu beaucoup trop là quand même, non? Je sais pas ce qu'on en pense, mais... Trois mastodons, des mecs de partout, c'était un petit peu tendu là. Et le pire, c'est qu'il faut que je recommence. C'est ça qui est rigolo. Mais c'est moi qui a pas la puissance pour le faire là, c'est comment je fais là, en comptant que j'ai tout amélioré. Je suis en équipement complet. Eh mais t'imagines si j'aurais pas eu l'équipement, j'aurais fait comment? C'est ça qui me fait halluciner. J'aurais pas eu la tenue, les affaires à déglinguer. Je sais même pas comment on aurait fait. Aucun kit de soin comme un gros con. Aucun. J'ai même pas fait attention à ça. Donc là je sais même pas comment je vais m'en sortir. Aucun mec. Hein. C'est vraiment le cas de le dire là. Triplette là. Faut plus là. Ouais, il m'a fait mal. Il m'a tué. Mais oui, j'ai pas de soins. Une dernière fois les gars. Et après autrement j'arrête, hein, parce qu'il faut que j'arrête là. Donc je reprendrai demain. Mais c'est trop dur. C'est franchement. Là il me faut du soin. Comment je fais du soin? Y'a pas de soin ici?
Il y a tout le temps du soin qui traîne, il est où? Bon, il n'y a pas de soin. Bon, on va acheter du soin. Allez go, une dernière hein, vraiment. Parce que là je vais pas passer ma vie à faire la même chose, hein. Vraiment pas. Hein. Je déteste ça déjà. Non l'endroit était bien mais c'est que j'avais pas de chance quoi, chaque fois j'ai pas de chance. Bah en fait là j'aurais pu tout faire. C'est juste que j'ai pas de soin. Donc c'est à dire en fait le moindre coup bah je peux pas me soigner. C'est une blague. Mais pourquoi il y a tout le temps quelque chose pour casser les couilles? Oh. Voilà comme ça je peux rentrer là. Et là moi je peux me soigner. La différence. Là, je peux même me récupérer chaque fois. Hop. Je vais mourir, mais putain, j'étais trop bien. Ils sont chiants à tout le temps déglinguer avec leur pompe de merde là. Eh, je vais le prendre le pompe à un moment ou l'autre, hein. Vraiment, hein. Non, je le prends pas. Non. On va tenter comme ça. Ça me donne envie, hein. Parce que franchement... Ouais, mais faudrait que je l'améliore, mec. Il est même pas amélioré, mon con. Ouais, c'est vrai, faudrait peut-être que je l'améliore, quand même. Si je meurs, je m'améliore avec le pompe et je prends le pompe. Ouais, non, mais il y a trop moyen, en plus. C'est ce qui manque, des espèces de clés mortes. En plus, l'endroit où je suis, ça va trop bien. Je comprends même pas pourquoi je galère. C'est ça, je comprends pas. Qui me calcule, mec? Je comprends même pas. Ah, là-bas. Quoi? Non, parce que je me concentre pas assez. Et je sais que... Il faut que je me concentre parce que... Ah il est con, c'est trop mal hein, vraiment hein. Il y en a un autre là. On va y arriver. Mec, je vais mourir. Non c'est bon. Il en reste deux hein. Non.
Non, mais oh, vas-y, allez hop, j'arrête. On le refera plus tard. Non, non, là, faut que je m'en. Je peux pas. Faut que j'arrête, en plus, ça m'énerve. Et on va continuer plus tard. Comme ça, vous voyez vraiment la difficulté de celui-là. Et comme ça, demain, vous verrez que je le refais exactement quand je le reprends. Je vais regarder pour le pompe déjà avant. Parce que. C'est trop. C'est vraiment trop. C'est sûr que le pompe en plus il coûte plus cher. 2200. Voilà, comme ça je peux même pas. Je sais même pas lequel est bien. Dégâts. Ouais, celui-là. Celui-là il est mieux quand même. C'est pas grave. Allez, on va arrêter là. Je vous remercie. Je vous dis à plus tard, les gars. Allez, bonne soirée à tous.